Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Tour de France 2017 pour la deuxième partie du RSCA 41 Tours. Ce tracé qui m'a été proposé par mon ami RSCA 41 que je salue au passage. Et aujourd'hui, vous le voyez, on fera les étapes 4 et 5. Et on va tout d'abord débuter avec la quatrième étape, aspect plateau de Baye, 149 km. C'est l'étape reine de ce RSCA 41 Tours. Vous le voyez, il y aura 4 cols tout au long de la journée. On débutera avec le col du Portet d'Aspet. Ensuite, on ira chercher le col de la Cor. On enchaînera avec le port de l'Ers. Et enfin, on terminera avec l'ascension finale, la montée du plateau de Baye. Un col hors catégorie très redoutable. Et donc, sur la première vidéo, nous avions fait un 3 sur 3 avec l'équipe AG2R La Mondiale. Deux victoires de Romain Bardet, une de Samuel Dumoulin, donc on espère que ça va continuer. Et on va donc partir tout de suite pour la quatrième étape de ce RSCA 41 Tours, aspect plateau de Baye. C'est parti les amis. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une grande étape de montagne qui s'annonce aujourd'hui. Avec le col du Portet d'Aspet, le col de la Cor, le port de l'Ers, c'est la redoutable montée finale vers le plateau de Baye. Et oui les amis, une étape redoutable aujourd'hui, c'est l'étape reine de ce RSCA 41 Tours avec l'arrivée au plateau de Baye, col hors catégorie. Et aujourd'hui on va faire honneur à la Belgique et vous le voyez, on va envoyer, ou du moins on va tenter d'envoyer notre champion de Belgique, le dossard numéro 13, Oliver Nassen. Et vous le voyez, c'est déjà Tony Martin de la Katusha qui a attaqué, le Panzer est parti et voilà, attaque maintenant de Oliver Nassen qui sort du peloton. Notre champion de Belgique, Oliver Nassen, de l'équipe AG2R La Mondiale, dossard numéro 13. Alors, est-ce qu'il portera bonheur ou malheur? On espère en tout cas qu'il portera bonheur à notre champion de Belgique, Oliver Nassen. Et vous le voyez, il a déjà du mal à recoller sur la machine à rouler, qui est Tony Martin, le coureur de la Katusha. Et on voit que ça sort du peloton également derrière. Donc on espère avoir la bonne échappée dès l'entame de cette quatrième étape. Et vous le voyez, il y a Tony Martin qui veut qu'on l'aide à rouler. On va le faire, on va prendre un petit relais. Et je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans la première ascension. Et on fera le point avec l'échappée qui sera, j'espère, bel et bien formée. A tout de suite les amis. Et nous voici dans la première difficulté de la journée, le col du Portet d'Aspet classé en deuxième catégorie. Et vous le voyez, l'échappée est finalement bel et bien formée. Il y a actuellement 6 coureurs en tête, dont notre champion de Belgique, Oliver Nassen, qui est en légère difficulté. Vous le voyez, on espère qu'il va recoller au groupe de tête. Donc je pense que ça va le faire. Il est en train de monter à son rythme. Et donc je vous le disais, 6 hommes en tête,
On retrouve évidemment notre coureur Oliver Nassen, le champion de Belgique sur route. On retrouve également Tony Martin, le français Brice Feillu, Moreno, Boukman et enfin le favori pour moi, Luis Menches. Et donc voilà, les six coureurs qui comptent actuellement déjà 3 minutes 46 d'avance sur le peloton, alors que nous sommes encore très très loin de l'arrivée, hein. Plus de 135 km. Ce n'est que le début de cette étape. Et donc à nouveau, hein, un très bon coup pour l'équipage G2R La Mondiale. Et ça attaque déjà. Hein. Attaque de Tony Martin. Moreno qui réagit directement. Menches y va. Oliver Nasson fait l'effort. Alors qu'il reste encore 1 km d'ascension dans ce terrible porté d'aspect. 5 km d'ascension à 9% de moyenne. Et Moreno en attaque à nouveau. Nouvelle attaque de Tony Martin. Ah, ça attaque de tous les côtés. On veut aller chercher les points pour le maillot à pois. Et Tony Martin a l'air très très fort aujourd'hui. Hein. Vous le voyez, il va aller chercher les points au sommet de ce porté d'aspect. Voilà, top c'est fait. Tony Martin. Ensuite Menches, Moreno et Oliver Nasson. Les 6 premiers au sommet du col marqueront des points pour l'étape reine aujourd'hui, les amis, je vous le disais, avec l'arrivée au sommet hors catégorie, le plateau de Bay. Et beaucoup de monte hein, dans ce col de la Corre. C'est Boukman hein, qui emmène l'échappée. Encore un peu plus de 2 km d'ascension avant d'arriver au sommet. Et donc je vous le disais hein, en début de vidéo, l'équipage G2R La Mondiale qui a remporté les 3 premières étapes. Et donc on va tenter aujourd'hui la passe de 4, hein, ça serait exceptionnel, hein, 4 sur 4. En tout cas, on a déjà une bonne chance avec l'échappée. Si ça va au bout, puisqu'on a un coureur qui est placé devant en la personne d'Oliver Nasson, le dossard numéro 13, le champion de Belgique sur route. Mais il y a des clients hein, dans l'échappée. Je pense évidemment à Luis Menches, pour moi le favori, le meilleur grimpeur du groupe. Allez, Boukman qui sort. Boukman qui attaque. Il va aller chercher les points. Moreno dans la roue. Menches réagit également. Ah, cette fois-ci, Tony Martin n'a pas bougé. Alors qu'il reste encore 1 km d'ascension. Oliver Nasson qui tente de revenir, mais c'est dur. Ah, c'est Moreno qui est bien parti. Moreno de la Movistar va sans doute passer en tête. Boukman tente de revenir sur lui et Luis Menches va passer en troisième position. Voilà, Moreno va passer. Top, c'est fait. Un Moreno, deux Boukman, trois Menches et quatre Oliver Nasson qui reprend ici 4 points à nouveau. Et on retrouve nos 6 hommes de tête à 70 km de l'arrivée. Et vous le voyez, l'écart a diminué. Il n'est plus que d'un peu plus de 5 minutes. 5 minutes d'avance sur le peloton. Et l'échappé hein, qui se dirige vers le sprint intermédiaire. Voilà, nous y sommes. On va tenter avec Oliver Nasson d'aller chercher les 20 points. Et ensuite, on retrouvera Samuel Dumoulin pour le sprint du peloton. Où il y restera encore quelques points à prendre. C'est toujours ça de pris, hein. Allez, on va bientôt sortir avec Oliver Nasson. Voilà, c'est fait. Accélération du champion de Belgique. Et je pense que personne ne va lui disputer les points. Voilà. Oliver Nasson va aller chercher tranquillement les 20 points. Voilà, top, c'est fait. Et nous, on va se retrouver directement dans le peloton avec Samuel Dumoulin.
le peloton qui est à 2 km du sprint intermédiaire. Et on va donc le disputer avec Samuel Dumoulin, puisqu'il reste encore 9 points à prendre. Et directement on se cale dans la roue du champion d'Allemagne, Burghardt. On va tenter d'aller chercher les 9 points avec Samuel Dumoulin. Allez, c'est parti, on lance le sprint. On a Sagan sur la gauche, mais regardez, Samuel Dumoulin très très fort. En pur sprinter, il va aller chercher les 9 points. Et voilà. Je pense pas que Sagan l'a disputé. Hein. Voilà, Sagan qui va sans doute passer. Voilà, Sagan qui prend 8 points. Donc une belle opération pour Samuel Dumoulin, qui va donc conforter son maillot vert en prenant à nouveau 9 points lors de ce sprint intermédiaire. Et on fait un petit point à l'avant de la course. Vous le voyez, les 6 hommes de tête qui viennent d'entamer la troisième difficulté de la journée, le port de l'Erse. Alors que l'écart commence à diminuer, 4 minutes 21 d'avance. Et on va donc laisser notre champion de Belgique à l'avant de la course avec les 5 compagnons d'échappée. On espère que ça se passera bien pour lui et on va retrouver le peloton où les choses sérieuses pourraient débuter. Je pense qu'on va assister à un premier écrémage dans le peloton. Et ensuite on s'expliquera dans la montée du plateau de Bay hors catégorie. Alors qu'à l'avant de la course, je vous le rappelle, nous avons notre champion de Belgique sur route, Oliver Nasson. Et les 6 hommes de tête comptent toujours 4 minutes 34 d'avance. Et attention, à l'avant du peloton, vous le voyez, c'est la cannondelle de Rigoberto Urán qui commence à rouler. Romain Bardet, bien protégé par ses équipiers. Notre maillot jaune, le leader de ce RSC à 41 tours. Regardez une petite vue du peloton. Et regardez à l'arrière, ça casse, hein. Vous le voyez, il y a déjà des groupes qui se forment. Ça monte très très vite. Sous l'impulsion, je vous le disais, de l'équipe Cannondale, l'équipe de Rigoberto Urán. Le Colombien. Et donc déjà la troisième difficulté de la journée, hein, les amis. Ce col classé en première catégorie, le port de l'Erse. Très long, hein, je vous le disais, 12 km 500. Mais assez roulant. Hein. Et pourtant ça fait des dégâts dans le peloton, vous le voyez. Romain Bardet bien placé aux avant-postes. Alors qu'il reste encore 58 km à parcourir, 4 minutes, l'écart diminue. Hein. Regardez, ça casse encore à l'arrière du peloton et ça diminue. Hein. Ouh là là, on a perdu beaucoup de coureurs. On a perdu beaucoup de coureurs dans le peloton. Alors qu'on voit à droite le champion d'Italie, Fabio Aru. On a Nibali ici à la droite de Romain Bardet. Tous les favoris sont là, évidemment. Richie Porte, Christopher Froome, Nairo Quintana, Nibali, Fabio Aru, je vous le disais, Rigoberto Urán et le leader de ce RSC à 41 tours, le maillot jaune, Romain Bardet, qui peut aujourd'hui tenter une troisième victoire, hein, les amis. On l'espère en tout cas. Ça ferait un 4 sur 4 pour la G2R la mondiale. Et vous le voyez, regardez comme ça casse à l'arrière. Ah, une belle vue. Hein. Le peloton qui diminue encore. Alors qu'à l'avant de la course, les 6 hommes sont toujours ensemble. Il y aura donc des points pour les 6 premiers au sommet. Un vent légèrement de côté. Hein. Un vent qui souffle légèrement de la gauche, vous le voyez.
Et il tourne. Hein. Il tourne sur la droite et il se remet de face. Alors que Romain Bardet vient de perdre un équipier. Ah, et ça casse à l'avant. Hein. Ah là là, Oliver Nasson est lâché. Ah, dommage. Notre champion de Belgique est lâché à l'avant de la course, les amis. Ah, dommage. Mais ça va revenir de toute façon, vous le voyez, hein, ça roule dans le peloton. Et c'est maintenant l'équipe Quick-Step qui met en route. Un gros écrémage dans le peloton. Le peloton qui perd beaucoup d'unités. Ah, si ça continue, ils vont se retrouver à 30 coureurs lors de la dernière ascension au plateau de Bay. Alors que vous l'avez vu, hein, Romain Bardet a encore perdu un équipier. Il y a des coureurs qui lâchent. Hein. Regardez, c'est difficile pour tout le monde dans ce port de l'Hers. Très difficile dans sa longueur, hein, je vous le disais, 12 km 500 et regardez, ça casse de partout. Oh là là. Et à nouveau, un équipier qui lâche pour Romain Bardet. Oh, ils ne sont plus beaucoup hein, dans le peloton. Oh, ça promet du spectacle, hein, les amis, dans le plateau de Bay. Ça promet du grand spectacle dans le plateau de Bay alors que c'est Bookman qui passe en tête au port de l'Hers devant Luis Menches. Moreno est 3e, Féu 4e. Et Nasson qui est bien lâché, elle est déjà à plus de 2 minutes. Presque 3 minutes même. Il a complètement craqué là notre champion de Belgique. Et bien le dossard numéro 13 ne lui aura finalement pas porté chance aujourd'hui. Dommage, dommage. Alors que Romain Bardet est bien placé dans la roue de Fabio Aru, le champion d'Italie. Attention à Fabio Aru aujourd'hui. C'est une arrivée pour pur grimpeur. Hein. Allez, le peloton qui va en terminer. Avec la 3e ascension de la journée. Voilà, c'est fait. Le port de l'Hers. Alors qu'il reste encore 50 km à parcourir, l'écart est de 4 minutes 19. Mais dès que ça va accélérer hein, dans le plateau de Bay, ça en sera terminé pour les hommes de tête. Mais attention tout de même à Luis Menches, hein, je vous le disais, qui pour moi est le meilleur grimpeur à l'avant de la course. Et le peloton qui ne compte plus que vous le voyez, hein, 34 coureurs les amis. Le peloton qui a complètement explosé dans ce port de l'Hers. Gros gros écrémage hein, dans le peloton. Il ne reste plus que les favoris de ce RSC à 41 tours. Allez, on va donc laisser le peloton dans la descente du port de l'Hers. Où ils vont pouvoir bien récupérer. Il y a beaucoup de monde dans la descente, vous le voyez. Ça fait toujours plaisir pour les coureurs d'être encouragés. Et on va donc se retrouver pour le final de cette 4e étape du RSC à 41 tours. Dans la dernière difficulté de la journée, le redoutable hors catégorie du plateau de Bay. Et nous sommes à un peu plus de 17 km de l'arrivée. Le peloton qui va bientôt entamer la dernière difficulté de la journée. Le terrible col du plateau de Bay hors catégorie. Alors qu'Oliver Nasson a été repris par le peloton. Il y a toujours les 5 hommes qui sont en tête. Il y a Tony Martin, Brice Féu, Moreno, Bookman et Menches. Et c'est parti hein, pour le peloton dans le plateau de Bay. Et attaque d'entrée. Attaque de Rigoberto Urán et Richie Portiva. On a Dan Martin qui bouge également. Attention, ça bouge déjà. Christopher Froome tente d'y aller. Romain Bardet doit déjà faire l'effort directement dans le plateau de Bay. Attention à l'énergie. Il revient sur Dan Martin et Barguil.
Et donc attention, Richie Porte est parti avec Rigoberto Urán. Et il a l'air bien, hein, Rigoberto Urán. On avait vu ses équipiers de la Cannondale dans le port de l'Erse. Ah, ça annonçait un gros Rigoberto Urán. Eh bien, on l'a. Hein. Et ça bouge encore. Regardez, Nibali à gauche. Et Bardet qui fait l'effort. Il revient sur Nieve, sur Dan Martin. Et il va revenir à son train. Voilà, c'est fait sur Richie Porte, Rigoberto Urán. Ah, il gère bien notre leader. C'est bien. Qui est-ce qui va maintenant placer une nouvelle attaque? C'est parti, Dan Martin. Attaque de Dan Martin. Thibaut Pinot tente d'y aller. Richie Porte à nouveau, Rigoberto Urán. Et Vincenzo Nibali. Pas de Christopher Froome pour l'instant. Et Bardet qui fait à nouveau l'effort pour revenir sur Richie Porte. Ah, il est bien Romain aujourd'hui. Et Rigoberto Urán va en mettre une. Nouvelle accélération du Colombien. Oh, elle est belle celle-ci. Elle est belle. C'est Dan Martin qui bouge et qui y va. Et Romain Bardet qui revient au train. Il emmène avec lui Porte, Nibali et Barguil. On a Fabio un petit peu plus loin. Christopher Froome également est un petit peu plus loin. Et l'écart diminue. L'écart est descendu sous la minute. Les 5 hommes de tête qui ne comptent plus que 58 secondes d'avance. On les voit. Hein. On les voit un peu plus haut. Ah, ils vont être pris. Hein. Et regardez Rigoberto Urán qui creuse avec Dan Martin. Attention à Rigoberto Urán. Ne faut pas le laisser partir. Et la Sky qui va me mettre en route. Hein. Regardez Wood Pulse qui emmène Christopher Froome. Ce qui fait évidemment les affaires de Romain Bardet. Et on a Richie Porte à droite. Et Romain Bardet qui monte au train. Et il gère. Hein. Il gère Romain Bardet. Hein. Notre maillot jaune. Et regardez, une belle avance maintenant pour Rigoberto Urán et Dan Martin. Et Froome y va. Attaque de Christopher Froome avec Fuglsang. Ah, Froome a décidé d'y aller. Richie Porte bouge également. Oh, il est fort, hein, Froome. Regardez comme il est revenu sur Rigoberto Urán et Dan Martin. Très, très fort, Christopher Froome. Et Romain Bardet qui revient également très à son aise. Et Froome accélère. Accélération de Christopher Froome. Dan Martin y va. Et Romain Bardet tente d'y aller à son rythme alors que Tony Martin est repris. Hein. Tony Martin est repris. Attention, il a gêné un peu Romain Bardet. Richie Porte dans la roue du maillot jaune. Et le maillot jaune qui revient sur Dan Martin et Christopher Froome. Ah, on a du spectacle les amis. Je vous l'avais promis, on a le spectacle. Et regardez, le trou est fait. Urán, Porte et Bardet. Et on retrouve un petit peu plus loin Christopher Froome et Dan Martin. Alors que Tony Martin a lâché. Hein. C'en est trop pour le Panzer qui doit lâcher. Sur les pentes terribles du plateau de Bay. Et Froome revient sur les hommes de tête. Froome qui emmène avec lui Dan Martin. Encore 9 km d'ascension. C'est très très dur hein, ce plateau de Bay. Le maillot jaune, Romain Bardet dans la roue de Richie Porte. Le futur vainqueur, en plus de la victoire. Alors que Feyu et Moreno sont repris. Au classement du Grand Prix de la Montagne, l'arrivée étant classée hors catégorie. Regardez, c'est dur hein, pour Feyu et Moreno qui sont en train de craquer sur les pentes terribles du plateau de Bay. Hors catégorie, regardez comme c'est dur ici les amis. 10% de moyenne. Nous sommes dans des passages à plus de 14%. Et attention, hein, il est en train de creuser l'écart là, Christopher Froome avec Dan Martin. Faut pas laisser partir. Allez Romain, faut réagir. Et il le fait le français, c'est bien. En emmenant avec lui Porte et Urán. Et ça a l'air de revenir. Hein.
Il a l'air de revenir un petit peu, Romain Bardet. Et voilà, le groupe de trois hommes. Bardet, Ouran, Porte. Et légèrement plus haut, Dan Martin et Christopher Froome. Et Christopher Froome qui lâche Dan Martin. Dan Martin est lâché, les amis, regardez. Oh, il est complètement à l'arrêt, Dan Martin. Et Froome revient sur les hommes de tête. Et accélération de Romain Bardet. Et Porte est lâché. Oh là 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 là, Richie Porte est lâché. Et Ouran ne peut pas y aller. Ouran ne peut pas accompagner le maillot jaune. Dan Martin qui tente de prendre la roue là de Romain Bardet. Mais ça va lui être fatal, hein, au coureur de la Quick-Step. Pour le moment, il s'accroche. Oh, c'est terminé pour Ouran également. Ouran et Porte sont lâchés. Et voilà, Dan Martin qui lâche. Romain Bardet tout seul. Et il va aller chercher Christopher Froome. Hein. À 5 km 500 de l'arrivée. Oh, il est bien quand même, Romain Bardet. Regardez, il va revenir. Et voilà, c'est fait. Froome est en tête. Il vient de reprendre Luis Menchus. Et donc, l'échappée n'ira pas au bout. 5 km encore d'ascension. Christopher Froome, Romain Bardet et Luis Menchus sont les trois hommes en tête sur cette quatrième étape du RSC à 41 tours. L'étape reine, je vous le disais, avec cette arrivée au plateau de Bay. Ce col hors catégorie. Et voilà, c'est fait. Romain Bardet est revenu sur Christopher Froome. Ah, c'est beau ce que fait Romain Bardet. Ah, il va tenter d'aller chercher sa troisième victoire d'étape, les amis. Hein. Et un 4 sur 4 pour la G2R, la mondiale. On l'espère en tout cas. Luis Menchus tente de s'accrocher, mais ça va être dur. Encore 4 km d'ascension. Froome et Bardet sont les plus forts sur ce RSC à 41 tours. Maintenant, c'est sûr. Et ils récupèrent. Hein. Ils sont en train de récupérer. Mais Froome a l'air fort, hein, les amis. Et Menchus qui s'accroche. C'est bien ce que fait Menchus. Est-ce qu'il va pouvoir encore s'accrocher longtemps? On voit Dan Martin qui tente de revenir hein, derrière. C'est Christopher Froome qui emmène. Et accélération. Accélération de Romain Bardet. À 3 km de l'arrivée. Attention, Froome n'est pas là. Froome qui laisse un petit écart. Et il revient, Froome. 2 km 500 de l'arrivée. C'est terminé pour Menchus qui vient d'être lâché. Eh bien, on va avoir à nouveau un beau vainqueur d'étape. Soit le maillot jaune, Romain Bardet. Soit le leader de la Sky, Christopher Froome. 2 km d'ascension encore. Allez Romain, on va tenter d'aller chercher la troisième victoire d'étape. Accélération de Romain Bardet et Froome est lâché. Oh là là, Froome est lâché les amis. 1 km 500 de l'arrivée. Superbe Romain Bardet. Romain Bardet qui va aller s'imposer en leader sur cette quatrième étape du RSC à 41 tours. Oh là 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 là, il est très très fort Romain Bardet. Très très fort Romain Bardet sur ce RSC à 41 tours. La flamme rouge. Dernier kilomètre pour le coureur français. Oh, il est bien lâché hein, Froome. Oh là 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 là. Très très fort Romain Bardet encore une fois aujourd'hui. Et il va encore creuser hein, au classement général. Ah, il est en train d'assommer ce RSC à 41 tours. 200 mètres encore à parcourir. Il va pouvoir savourer, lever les bras. Voilà, c'est fait les amis, très belle victoire de Romain Bardet qui s'impose. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le, voici le vainqueur de l'étape du jour, Romain Bardet. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Super,
Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Romain Bardet. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et bien voilà les amis, fantastique Romain Bardet hein, qui remporte sa troisième victoire d'étape en s'imposant ici au plateau de Bay. Et 4 sur 4 pour la G2R La Mondiale. Incroyable, hein, 4 victoires de la G2R La Mondiale. Bardet s'impose devant Froome qui termine à 1.07. Tom Dumoulin termine à une très belle 3ème place à 1.43. Nibali est 4ème à 1.43 également. Tout comme Quintana 5ème. Et Luis Menchez termine à une belle 6ème place hein, à 1.52. Pozzo Vivo, le lieutenant de Romain Bardet, 7ème à 2.04. Une belle 8ème place aussi de Simon Yates à 2 minutes 10. Fuglsang est 9ème à 2.16. Et Warren Barguil complète le top 10 à 2.25. Uran est 11ème à 2.31. Il a beaucoup perdu. Fabio Aru, regardez, 12ème à 2.31. Dan Martin est encore plus loin, 13ème. Et Richie Porte, les amis, 2.40. 14ème à 2 minutes 40. Oh là là, quel coup de bambou pour Richie Porte. Et il y a eu du hors délai, hein. Il y a eu du hors délai sur cette étape. On va passer en revue les coureurs hors délai. On a Bouda, Sénéchal, Laporte. Et voici les coureurs hors délai. Arnaud Démare hors délai. De Bûcher, regardez, Pelouki, Boigny, Lebon. Oh là là, beaucoup de hors délai sur cette étape, les amis, hein. Une étape qui aura fait mal. Greipel hors délai. Et bien voilà, beaucoup de coureurs hors délai. Et superbe victoire hein, de Romain Bardet. Qui s'impose au plateau de Bay. Le classement général après cette étape. Et regardez, c'est terminé. Hein. On peut dire dès à présent que Romain Bardet a remporté le RSC à 41 tours. Puisque vous le voyez, il compte 2 minutes 57 d'avance sur Christopher Froome avant la dernière étape. Vincenzo Nibali, le requin de Messine, est 3ème à 3 minutes 53. De gros écarts. Hein. Richie Porte est 4ème à 4 minutes 32. Uran est 5ème à 5.09. Nairo Quintana est 6ème à 5 minutes 41. Tom Dumoulin 7ème à 5 minutes 47. Dan Martin est 8ème à 6 minutes 16. Menchus est 9ème à 6.16 également. Et Fuglsang complète le top 10 à 6 minutes 19. Que de gros écarts hein, créés par Romain Bardet. Le Belge Wellens est en tête au classement du meilleur grimpeur. Mais regardez, Romain Bardet n'est qu'à 5 points. Tom Dumoulin, toujours leader du maillot vert. Mais regardez à nouveau, Bardet est tout proche de lui. À seulement 8 petits points. Luis Menchus domine le classement du meilleur jeune pour 5 petites secondes à Simon Yates. Donc un beau duel entre les deux lors de la dernière étape. La Sky est leader par équipe. Devant 2 minutes 19. La G2R deuxième à 2 minutes 19. Et Backlands est toujours en tête de la combativité. Et bien voilà les amis pour cette quatrième étape remportée par Romain Bardet, le leader de l'équipage G2R qui s'impose au plateau de Bay. Et on va se retrouver tout de suite pour la cinquième et dernière étape du RSC à 41 tours avec pourquoi pas un 5 sur 5 pour l'équipe AG2R. Et on va donc pouvoir débuter hein, cette cinquième et dernière étape du RSC à 41 tours. Vaison-la-Romaine Gap, 165 km. Et vous le voyez, hein, 3 cols tout au long de la journée. Et on terminera avec le col de deuxième catégorie, le col de Mans, avant de plonger dans la descente et l'arrivée à Gap. Donc on espère à nouveau une belle étape.
avec du spectacle. Même si normalement Romain Bardet a course remportée. Hein. Romain Bardet a remporté le RSA 41 tours. Il devra gérer sans problème les écarts qu'il a créés. Et donc on va se retrouver tout de suite sur la ligne de départ. Et je pense que je vais envoyer aujourd'hui dans l'échappée Michael Chérel. Bonjour à tous. C'est une étape pour audacieux. Trop difficile pour les purs sprinteurs. Pas assez sélectif pour les favoris. Alors une fois de plus, les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer sur la route de Gap. Et c'est donc parti pour cette cinquième et dernière étape du RSC à 41 tours. Et je vous le disais en introduction que j'allais tenter d'envoyer Michael Chérel dans l'échappée. Mais j'ai finalement changé d'avis. Je vais tenter un coup avec le coureur italien Pozzovivo. Même si je pense qu'on ne me laissera pas partir puisque Pozzovivo est bien placé au classement général. Allez, c'est parti. Pozzovivo qui sort avec Pantano, le Colombien. On va voir ce que ça va donner. Attaque du grimpeur italien de la G2R, Pozzovivo avec Pantano dans la roue. Et Pantano qui prend un gros relais et il accélère à son tour. Mais ça revient, et oui ça revient, sous l'impulsion de Gietschke. Pantano tente d'y aller. Pozzovivo prend sa roue. Je pense que ça va revenir sur Pozzovivo. En tout cas, les amis, on va se retrouver un petit peu plus loin, je pense, dans la deuxième ascension de la journée. Et on se retrouve à 128 km de l'arrivée avec l'échappée du jour. Hein, vous le voyez, et on a réussi notre coup, puisque Michael Chérel est en tête à l'avant de la course. Les 6 hommes de tête comptent actuellement 4 minutes d'avance sur le peloton. Et parmi ces 6 hommes, on retrouve évidemment le coureur français de l'équipe AG2R, Michael Chérel. On retrouve du beau monde puisqu'il y a également Pantano, le petit Colombien. Gesink, Anton, Spilak et Sepulveda. Alors que Pantano accélère. Accélération de Pantano puisque ça ne s'entend pas bien dans ce groupe. Et c'est Michael Chérel qui bouge. Avec Spilak. Et Spilak qui contre. Le coureur de la Katusha qui contre avec toujours le français de la G2R dans la roue. Pantano revient. Gesink, Anton également. Et ça va à nouveau attaquer. Hein. Je vous le disais, ça ne s'entend vraiment pas dans ce groupe. Et regardez, c'est Spilak qui en remet une. Nouvelle accélération du coureur de la Katusha. C'est Sepulveda cette fois-ci qui tente d'y aller avec Igor Anton. Ça se regroupe et attaque de Pantano. Ah, il est déchaîné Pantano. Hein. Depuis le début de cette étape, on l'avait vu attaquer. Dès l'entame de cette cinquième étape. Et Michael Chérel fait toujours l'effort pour revenir. Il est pour l'instant dans la roue de Sepulveda. Spilak en remet une. Et à nouveau, Chérel revient bien. Et Robert Gesink qui est là également. Très bon grimpeur. Pantano à nouveau va attaquer. Nouvelle attaque de Pantano. Et à nouveau, Chérel qui fait l'effort. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader. Et Chérel qui se replace dans la roue du Colombien. Et à nouveau Spilak. Spilak accélère à nouveau. Et bien du grand spectacle hein, les amis. Dans cette deuxième ascension de la journée. Le col de Macueñ. 6 km 200 à 5,8% de moyenne. Et à nouveau Pantano. Ah c'est la grande offensive aujourd'hui. Dans l'échappée. Et à nouveau hein, Chérel qui fait l'effort et qui revient. Et cette fois-ci il en a marre. Il va accélérer la Michael Chérel. Il va faire le tempo en tête du groupe. Je pense qu'il aura plus de chance comme ça. Voilà, c'est fait. On voit directement Pantano dans la roue. Alors que nous sommes encore à 122 km de l'arrivée. 6 minutes 15 d'avance pour les 6 hommes de tête. Donc à nouveau un bon coup pour la G2R qui place un homme en tête. Et qui peut donc toujours espérer une cinquième victoire sur 5. Ça serait incroyable, hein, les amis.
qu'à nouveau on s'impose. En tout cas, si l'échappée va au bout, on a une nouvelle chance avec Michael Schérel. Mais nous ne sommes pas encore là, nous sommes encore très très loin de l'arrivée. Il reste encore 1 km d'ascension dans ce col de Macouaigne. 6 km 200. Et il impose un gros tempo, hein, le français. Et c'est Pantano qui est dans la roue du coureur de la G2R. Et Michael Schérel qui va tenter de prendre les points au sommet. Je suppose qu'il n'a pas accéléré pour rien. Voilà, c'est fait, il va passer en tête. Top! Michael Schérel qui passe en tête en prenant 5 points devant Pantano, Gesink et Spilak. Alors que l'écart est remonté, vous le voyez, à 7 minutes 25 actuellement. Il reste encore 119 km à parcourir sur cette dernière étape du RSCA 41 tours. On va laisser l'échapper. Les coureurs échappés dans la descente. Et je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin lors du sprint intermédiaire. Mais l'écart qui commence à diminuer. Hein. Donc ça va être très très dur pour l'échapper d'aller au bout. On voit un léger vent de face. Ça souffle légèrement de la gauche. 35 km/h. Donc attention au vent aujourd'hui. Et c'est toujours Michael Schérel hein, qui emmène l'échappée. Lui qui était très impressionnant dans les derniers kilomètres du col de Macouaigne. Allez, encore 1 km 500 à parcourir sur ce sprint intermédiaire. On va tenter d'aller chercher les points avec Michael Schérel. Les 20 points, on va tenter de les prendre. Et ensuite, on basculera dans le peloton avec Samuel Dumoulin. Voilà, stop, c'est fait. C'est fait pour Michael Schérel. Et le peloton qui va donc se jouer, le sprint intermédiaire. On voit le beau maillot vert de Samuel Dumoulin et c'est parti. Hein. Boisson Hagen, le champion de Norvège qui lance avec Sagan dans la roue, mais Samuel Dumoulin les déborde. Samuel Dumoulin facilement, les amis. Il va aller chercher les 9 points qu'il restait. Très très beau sprint de Samuel Dumoulin. Voilà, top, c'est fait. Sagan prend 8 points. Et Boisson Hagen, le champion de Norvège, prend 7 points. Et on retrouve nos 6 hommes de tête à 50 km de l'arrivée. Et vous le voyez, l'écart a fondu, hein, les amis. L'écart n'est plus que de 2 minutes 38 d'avance sur le peloton. Donc ça n'ira pas au bout. Hein. Puisque vous le savez, il y a encore le col de Mans hein, qui se profile à l'horizon. Avant la descente sur Gap. Donc ça va être très très dur pour les 6 hommes de tête. En tout cas, Michael Schérel est toujours à l'avant de la course. Donc ça va être difficile d'aller au bout. Regardez, beaucoup de monde hein, pour cette dernière étape du RSC à 41 tours. Je salue à nouveau mon ami RSC à 41. Je sais qu'il me regarde. C'est le plus fidèle sur ma chaîne. Donc dédicace à toi mon ami. J'espère que tu prends beaucoup de plaisir à suivre ta course. Hein, puisque ça a été rebaptisé le RSC à 41 tours. Allez, on va se concentrer maintenant sur le final de cette cinquième étape. Il reste encore un peu plus de 45 km de l'arrivée. Et les 6 hommes de tête comptent toujours 2 minutes 23 d'avance sur le peloton. Et je pense, les amis, dans le peloton, on devrait assister à du grand spectacle hein, dans le col de Mans. C'est pourquoi on va laisser les 6 hommes de tête seul à l'avant de la course et on va revenir dans le peloton. On espère évidemment que Michael Schérel ira le plus loin possible. Mais priorité évidemment
au maillot jaune à Romain Bardet. Et donc on va se retrouver tout de suite dans le peloton pour le final de cette cinquième étape du RSCA 41 tours. Le peloton qui entame le col de Mans, classé en deuxième catégorie. Un peu plus de 10 km d'ascension et vous le voyez devant, l'écart a fondu. Michael Chérel est toujours en tête de la course dans l'échappée avec les 5 compagnons d'échappée. Mais l'écart n'est plus que d'une minute et ça va fondre. Hein. Ça va fondre puisque nous sommes dans le col de Mans avec le peloton et nous sommes avec Romain Bardet. Alors que ça fait plaisir, vous le voyez, c'est Philippe Gilbert qui attaque. Philippe Gilbert avec Valverde. Mais Bardet revient bien. Est-ce qu'on va tenter le coup avec Romain Bardet, les amis? Est-ce qu'on va tenter d'aller chercher une quatrième victoire de Romain Bardet et une cinquième victoire de la G2R? Ça serait fantastique. Je pense que je vais tenter quelque chose avec Romain Bardet. On est obligé. Enfin, on n'est pas obligé, hein, puisqu'on a quasi course gagnée, mais je veux dire, on n'a plus rien à perdre. Puisque l'écart est fait au classement général. Donc on va tenter, on va attendre pour le moment. On voit Peter Sagan ici à droite, avec son beau maillot de champion du monde. Et attaque de Youngles. Ah, la Quick Step est déchaînée dans ce col de Mans. Alors qu'à l'avant de la course, ils ne sont plus que deux et Michael Chérel est lâché. Dommage. Et ça monte vite hein, dans le peloton. On voit Ouran à côté de Romain Bardet. Le maillot jaune dans la roue du champion du monde. Et ils ne sont plus que deux, Gesink et Pantano à l'avant de la course. Les deux plus forts. Hein. Les deux meilleurs grimpeurs. Est-ce que quelqu'un va sortir du peloton, les amis? Est-ce que quelqu'un va tenter quelque chose dans ce col de Mans? Et celui qui passera en tête a quasi course gagnée, puisqu'il plongera dans la descente pour arriver à Gap. Ça ira très très vite, pardon. Allez, encore 5 km d'ascension. Bardet dans la roue de Rigoberto Urán. Est-ce que le Colombien va tenter quelque chose? Les deux hommes de tête n'ont plus que 50 secondes d'avance. On voit Simon Yates à la droite de la route qui remonte. Et attention à Bardet et accélération de Bardet. Allez, c'est parti, on va tenter quelque chose avec Romain Bardet, le maillot jaune. Accélération de Romain Bardet, Valverde dans la roue. Et Bardet qui reprend directement son équipier Chérel. Incroyable, à nouveau très impressionnant. Romain Bardet va-t-il aller chercher sa quatrième victoire sur ce RSCA 41 tours? Et personne n'est là, les amis. Personne n'est là pour accompagner Romain Bardet qui reprend tous les échappés un à un. Incroyable ce qu'il nous fait encore dans le col de Mans. Romain Bardet. Romain Bardet qui est incroyable hein, sur ce RSCA 41 tours. Ah, il va encore aller s'imposer. Hein. Regardez, il n'y a personne qui revient. Il est trop fort, Romain Bardet. Trop fort. Une démonstration à nouveau dans ce col de Mans. Et regardez comme il va reprendre Gesink. Il va littéralement l'avaler. Et il reprend maintenant Pantano. Alors qu'il reste encore 1 km d'ascension. Ah, il va passer seul en tête et il va aller s'imposer. Hein. Ah là c'est sûr et certain. Eh bien là, la G2R la mondiale va signer un 5 sur 5 historique les amis. Attention, il attaque. Allez, Richie allez, Porte tente de sortir du peloton, mais c'est trop tard. Hein, regardez-moi ça. Quelle démonstration du français Romain Bardet. Romain Bardet qui finit en trombe. Hein, ce col de Mans, regardez, il accélère même en danseuse. Voilà, il passe au sommet en prenant 5 points. Et je pense qu'il prend même le maillot à poids, les amis. Je pense que Romain Bardet prend le maillot à poids. Et s'il s'impose, je pense même qu'il va aller chercher le maillot vert. Il peut tout gagner, Romain Bardet. 4 victoires d'étape.
le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois. En tout cas, c'est bien parti pour. On verra l'arrivée. Ça va aller très très vite. Hein. Il reste 9 km de descente. Et regardez, le groupe Froome derrière est déjà à plus de 50 secondes. C'est terminé. Hein. C'est terminé. Romain Bardet va aller s'imposer. Quelle démonstration de Romain Bardet. Ah, il était littéralement le plus fort sur ce RSC à 41 tours. Attention quand même dans la descente. Il n'est pas obligé de prendre tous les risques. Hein. Romain Bardet, il a course gagnée. Il lui reste encore 6 km de descente avant d'arriver à Gap. Quelle victoire à nouveau il va signer. Quelle démonstration. Ah, c'était du tout tout grand Romain Bardet, hein, les amis. Sur ce RSC à 41 tours, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Il va aller chercher sa quatrième victoire d'étape. Incroyable. Incroyable Romain Bardet. Encore un peu plus de 3 km. Personne n'a pu l'accompagner dans le col de Mans quand il a accéléré. C'est vraiment incroyable. Ah, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot, Romain Bardet. Il n'y a rien à faire, les amis. 2 km encore. Il va pouvoir à nouveau savourer sa victoire et lever les bras. On aperçoit la flamme rouge. Et regardez-moi. Le public qui l'encourage. Voilà, c'est fait. Romain Bardet qui passe sous la flamme rouge. 600 mètres encore. Et il va signer, les amis. Voilà, c'est fait. Dans quelques mètres, ce sera fait. 100 mètres. Quatrième victoire d'étape pour Romain Bardet. La cinquième pour la G2R. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Romain Bardet! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Romain Bardet! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement. Voici le maillot à pois de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Eh bien, c'est un Romain Bardet exceptionnel, les amis, qui vient de s'imposer sur cette cinquième étape du RSC à 41 tours. Vaison-la-Romaine, Gap, c'était donc la dernière étape du RSC à 41 tours. Superbe Romain Bardet qui est parti dans le col de Mans. Et il s'impose à l'issue de cette très belle étape devant Rigoberto Urán, le Colombien qui termine deuxième de l'étape. À plus de 30 secondes, hein, vous le voyez. Donc une très très belle course de Romain Bardet. Christopher Froome est troisième également à 39 secondes. On retrouve Pantano qui était parti dans l'échappée matinale, qui termine à 39 secondes. Richie Porte est également cinquième. Nibali 6e, Giesing 7, Dan Martin 8, Barguil est 9e à 39 secondes et un petit peu plus loin à 1,09, c'est Fuglsang qui complète le top 10. Le classement général à l'issue de cette dernière étape, et vous le voyez, hein, des écarts incroyables qu'aura creusé Romain Bardet tout au long de ce RSA 41 tours. Puisqu'il compte 3 minutes 42 d'avance sur son dauphin Christopher Froome. Et c'est Vincenzo Nibali qui est sur le podium de ce RSC à 41 tours à 4 minutes 42. On retrouve à la 4ème place Richie Porte, encore plus loin, 5 minutes 21. 5ème Urán à 5,52. 6ème Dan Martin à 7,05. 7ème Tom Dumoulin à 7,06.
Barguil, son équipier, est 8e à 7 minutes 11. Nairo Quintana, le Colombien, 9e à 7,28. Et Fuglsang, 10e à 7,38. Haru est 11e à 7,39. On va voir le top 20. Hein. Simon Yates est 12e à 8,34. Pozzo Vivo termine 13e, 8,43. Valverde est 14e. On retrouve Menchus qui termine finalement 15e. Zakarin, le russe, 16e. Izagir, 17e. Bennett, 18. Woodpulse, l'équipier de Froome, termine 19e. Et enfin, Mikael Landa complète le top 20 à 13 minutes et 49 secondes. Et donc un 5 sur 5 historique hein, pour l'équipe AG2R. Et vous le voyez, hein, le classement général de notre équipe. 4 victoires d'étape de Romain Bardet, une de Samuel Dumoulin. 5 sur 5 pour la G2R. Incroyable les amis. Incroyable ce qu'aura fait cette équipe AG2R. On va maintenant regarder les classements annexes. Le classement du meilleur grimpeur, je vous le disais, qui est remporté par Romain Bardet devant Wellens le Belge. Fantastique, hein. Le classement du maillot vert est remporté par Romain Bardet devant son équipier Samuel Dumoulin. Incroyable. La razzia de Romain Bardet, les amis. Simon Yates remporte le classement du meilleur jeune pour 32 petites secondes seulement sur Menchus. La Sky remporte le classement par équipe. La G2R est deuxième. Backlands de la G2R remporte le classement de la combativité. Donc la G2R qui aura quasi tout remporté sur ce RSCA 41 Tours. En tout cas les amis, j'espère que ce RSCA 41 Tours vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Et ce RSCA 41 Tours les amis, je vais le dédier à la maman de mon ami RSCA 41. Puisque vous le savez, il a perdu sa maman il y a plus d'un an, lui qui était très proche d'elle. Donc voilà les amis, on va dédier ce RSCA 41 Tours à Lydia, la maman de mon ami RSCA 41 Tours. C'est mon meilleur ami, hein. C'est pour ça que je fais ça pour lui. J'espère que ça lui fera plaisir. Donc Lydia, si tu nous écoutes de là-haut, ce RSCA 41 Tours était pour toi. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir mon ami. Donc n'hésite pas à me le dire. En tout cas, n'hésite pas également à reposter ce RSCA 41 Tours sur ta chaîne. Donc voilà, tu es mon meilleur ami, tu le sais bien. Les Bulins, c'est une fameuse histoire, les amis. Donc voilà, donc c'est sur ces très belles paroles hein, qu'on va se quitter en dédiant à nouveau ce RSCA 41 Tours à la maman de mon ami RSCA 41. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt les amis. Salut à tous.